Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Retour en 2009 sur, j'ai oublié le nom du jeu quand même, Lost and Damned, excusez-moi, sorti en 2009 après, donc c'est l'extension au final de GTA 4, hein, épisode 4, vous le connaissez. Je me suis dit que ce jeu était très intéressant pour plusieurs choses. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai pas joué à ce jeu, et surtout Johnny Clebitt, c'était un personnage très intéressant. Il était quand même sympa avant que Trevor décide de le tuer sous un coup de nerf, on va dire. Donc on connaît tous Trevor, on sait un petit peu sa manière de fonctionner. Et ce jeu au final est pour moi, quand j'y pense, tu vois, j'y ai pensé l'autre jour et je me suis dit tiens, on va faire un petit retour sur ce jeu. C'est quand même le jeu qui est le plus proche de l'esprit de Red Dead Redemption. Avec le... Eh oh, arrêtez de m'appeler comme ça là, je vais casser ma carte SIM, arrêtez. Je veux pas répondre, ok. C'est quand même le jeu qui est le plus proche de Red Dead pour plusieurs choses. On a l'esprit de gang, les Lost, on se déplace comme ça en convoi, comme dans Red Dead avec Dutch. Je me dis que ce jeu quand même était déjà un peu le précurseur de l'esprit de Red Dead Redemption 2 dans le fond. À une autre époque, dans un contexte qui est complètement différent, mais un peu le même délire. On est dehors la loi et on arrive à, comme ça, à se mettre au sein même de la ville, de tous ces habitants bienveillants, bien citoyens. Et nous on est là comme un gros salaud qui faisons que du mal. Donc on est parti, on va faire un petit tour de bécane. Et il y a une bécane que j'avais vue tout à l'heure avant de lancer le rec là, regarde-moi ça là. Ouais, GTA, ils innovent beaucoup, ils font des nouveautés, pas du tout, pas du tout, c'est une grosse connerie, j'ai déjà dit depuis longtemps, Rockstar c'est les rois du recyclage, ok. Et quand certains se posent la question, est-ce qu'il y aura les motos ou les voitures, ah merde, est-ce qu'il y aura les motos et les voitures de GTA 5 ou d'autres GTA dans GTA 6, tu as la réponse là. On est actuellement sur un jeu qui est en 2009, et cette moto on l'avait arrivée en 2013 dans GTA 5, et on s'est tous dit, waouh, la bécane, elle est belle, elle est nouvelle et tout, et ben non. Même la Akuchu qu'on peut trouver aussi, regarde. Et là, on est bien sur une bâtie 900. Hein. Et elle a exactement le même bruit que dans GTA 5. Ça me fume, quoi. En gros, le mec, qu'il savait pas, mais il était un peu dans le futur quand il jouait avec cette bécane. Regarde, on a la même version, elle est un peu en couleur or. Je pense que c'est une Ducati, hein. Hey, vas-y, je vais répondre parce qu'il va. Hey, Jim, what's up? C'est bon. J'ai assez parlé avec toi. Oh, et la gravité de GTA, c'est pas possible. Je conduis sur la lune, là, ou quoi, là? GTA 4, la gravité qu'il y avait, regarde-moi ça! Oh, c'est la voiture à colis, j'en ai eu la cuisse là-bas. Pour ceux qui l'ont reconnu. Can, tout est pareil, regarde-moi. C'est la même bécane. Je préfère un peu le style qu'elle a dans ce jeu, bizarrement. Il y avait aussi la Akuchu. La Akuchu, beaucoup pensent que c'est une moto qui est arrivée avec GTA 5 dans le DLC et tout, de online, tout ça. Mais non, la Akuchu, on pouvait aussi la retrouver ici. Et je crois même que la Akuchu Drag, on pouvait la retrouver, celle avec la grosse roue et tout dans ce jeu. Si je dis pas de bêtises, mais je sais qu'à l'ancienne, la Akuchu. Moi quand je l'avais vu sur le parking là du garage, enfin devant la maison là du gang du Lost, j'étais comme un ouf. Cette bécane je la voulais à tout prix, et en fait au final tu pouvais l'avoir la Akuchu dans ce jeu. Je sais pas si là elle va y être, parce que je suis pas vraiment avancé, là on est au tout début du jeu les gars. Mais la Akuchu, pas une nouvelle bécane du tout hein. Il y avait quand même une ambiance particulière dans ce jeu, je sais pas. Il y avait un délire qui faisait que GTA 4 et même épisode Foam, Lost and Damned ou The Ballad of Gettoni. Il y avait un gros délire. Oh Coluche on la reconnaît cette voiture, l'élo la cuisse avec plus de finesse et Coluche, c'est sa voiture à Coluche. L'autre il dit, où est-ce qu'il accélère? Il accélère où? C'est là, mais là les gars je parle de vieux films, mais on va dire les plus anciens ou ceux qui ont vécu un peu avec ce même genre de film, ils comprendront ce que je veux dire. Donc là on avait, regarde, déjà différentes bécanes. Non mais c'est moi les gars, je suis parti de votre troupeau là, oh oh. Là on avait une bécane, là c'est celle du boss, de Billy je crois qu'il s'appelle, ou Bill, je sais plus comment il s'appelle ce plouc là. Là on avait la mienne, là ça c'est la mienne ça là. Vas-y on va aller faire une petite mission, tiens à l'ancienne. Oh. Oh, tu m'appelles tous les deux minutes, mon gars. Jouer au air hockey. Je vais le faire. Donc, on va aller voir Jim. J'avais un mec qui s'appelait Jim à l'ancienne dans ma classe. Je m'en rappelle très bien. Je le croise encore, même d'ailleurs. Tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Ah, ouais, d'accord. Il y a toute la clique qui est sortie là. Oh, j'ai écrasé le PNJ. Ok, donc on va voir un peu ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits mini-jeux là pour une. Ah, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait là? Tout le monde s'embrasse, c'est quoi là? C'est la fin de soirée, tout le monde est amoureux? Oh les gars là! Oh 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 oh! Cherchez de l'or, quelque chose? Vous avez fait tomber votre clé ou vos paquets de clopes? Je sais pas. Je suis sobre, allons boire un autre verre. Ah ouais, non, non, non. Personne n'est sobre là. Là, c'est pas être sobre là. Là, clairement, c'est pas être sobre là. Là, même, j'en ai vu des mecs bourrés. Hein. Mais à ce point là, quand même, Rockstar a un peu abusé du truc. On va essayer de piloter comme ça, on va essayer. Par contre, pour monter sur la bécane, il est plus bourré. Ils auraient dû faire un délire où genre il se casse la gueule, il se tape à moitié sur le réservoir, tu vois. Regarde-les-moi là, oh les épaves. Et l'autre il marche en reculant quoi, à l'envers c'est mieux, comme dans les trois frères. Abusé quoi. Oh la bécane, oh c'est un cheval. On est bien sur Red Dead là. Wow. Oh ouais, c'était
Ah ouais, non. C'était abusé là. Les gars, vous allez me suivre partout comme ça, même si je vais pisser, est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que c'est un peu gênant. Et j'ai toujours rêvé de faire ça, de me balader sur des pistes comme ça de bowling. Même dans la vraie vie, je kifferais le faire. Attends, faut que j'arrive à en faire à niquer le shoot d'un mec là. Lui il va s'apprêter à tirer, lui il a la boule dans les mains. Là, vas-y frérot, tiens. Oh! Non! Oh le pauvre! Lui il va tirer! Mais vas-y! Ah, il a fait presque un strike. Ah non, c'est ça le héroquet. Bah ouais, je me disais aussi, ça c'était bien comme. Putain de merde, il a marqué l'enfoiré. C'était bien le jeu là, pourquoi ils l'ont pas mis sur GTA? Il y est pas? Bon, alors s'il y est, j'ai loupé un délire. Non! Hé, hey, arrête d'avancer ton bras comme ça, reste dans ta sur. Il a marqué le salaud 2 points. Mais il défend. Dis-moi ce con, il est en train de se bloquer lui-même. Oh, donne-moi le ballon! Enfin, le truc là, le pavé là, le truc qui glisse là. Est-ce qu'on lui dit qu'il joue tout seul ou pas là? Ouais! Bordel de merde, j'en ai marqué un. Moi, il en a marqué 3, faut encore que j'en marque 2. Ouais! Hey, je joue réellement ma vie, c'est passionnant comme jeu. Je jure que c'est vraiment passionnant. Bon bah j'ai perdu, poil au cul. On serait pas une petite mission, j'ai envie de conduire un bus. Les bus dans ce jeu à conduire étaient incroyables. Je vais conduire un bus. Ah je vous dis les gars là, ce jeu là il me réveille quand même plein de souvenirs. À l'époque c'était l'un des jeux que j'ai le plus attendu aussi. Hein. Sincèrement en termes de GTA c'est l'un que j'ai le plus attendu. L'épisode From en 2009, j'étais comme un ouf quand il l'avait annoncé. J'avais suivi les trailers et tout. Les bus à l'ancienne sur GTA, ils étaient... sur GTA 4 surtout, c'était incroyable à conduire. Je sais pas pourquoi il y avait une souplesse, t'avais l'impression de réellement de conduire un bus. Et anecdote, je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais il y a très longtemps. Le mec qui se souvient de cette anecdote, franchement il est fort, il me suit depuis très longtemps. À l'ancienne, on jouait sur PlayStation 3, à GTA 4, c'était en 2008, avec mon pote. Et là d'un coup t'as un mec qui conduisait un bus, on le voit conduire le bus et tout, on monte dans son bus. Et il nous dit, il nous envoie un message comme ça sur le Play Store à l'ancienne là, enfin le Play Network là, t'as compris, PlayStation. Et il nous dit « I love driving bus ». C'était un anglais. Le mec était hyper content de conduire un bus, quoi. Voilà, c'était l'anecdote. Mais ça nous avait choqué, nous, à l'ancienne. On s'est dit « Non, on était pas prêt à recevoir ce genre de message, tu vois. » Quel moment t'envoies un mec « I love driving bus », quoi. Bon. Quand je vais arriver devant le repère des Lost, il faut que je fasse un truc avec les motos. Ça, c'était bien aussi. Tu pouvais voir des PNJ en train de réparer leur caisse qui étaient en panne, tu vois. À quel point ce jeu était quand même très réaliste et ouf. Tu vas voir ce que je vais faire quand je vais arriver devant le repère où il y a toutes les bécanes. C'est obligé, je le vais. Obligé, j'y pense depuis tout à l'heure que j'ai pris le bus. Il faut que je fasse ça. Et voilà. Juste, je voulais niquer les motos de mes potes. J'avais envie, tu vois, c'était... Oula, c'est qui lui? Oh, les cinématiques à l'ancienne, là. On dirait les graphismes un peu de Red Dead Redemption 1. C'est sorti après. Et regarde, dans le principe, comme je disais en début de vidéo... On est vraiment dans le délire de Red Dead, tu vois, sauf avec des bécanes. Mais il y a lui là devant toi là! Il y en a même deux là, pourquoi il veut. Ah, c'est des Lost! C'est mes potes! Quel connard, je vais tirer sur mes potes! Oh, la notion de combat et tout à l'ancienne, c'était pas la même. Hein. Mais ça va, c'était pas si vilain que ça, tu vois, j'arrive à reprendre mes marques quand même. Bon, les PNJ, c'est surtout assez nul. Hein. Je vais remettre la vie, là, hop. Oh, j'ai pris une balle, là, dans la gueule. Faut juste que je fasse... Oh ah, ça, au réservoir, là. Oh, lui, il est mort, je crois. Il est reparti, je rejoins Pasquier, là-haut, lui. La vache. Boum. Il est pas en 9, lui, en 9 mm. Ouais, voilà. Un petit Glock. C'est bon, on a un petit Glock. L'autre s'est cassé la gueule. À peine je le touche. Boum. Et voilà, c'est bon. On a fait le boulot. Je vais récupérer un peu de munitions de Glock. Eh, j'ai envie de rejouer à ce jeu, c'est incroyable. C'est quand même bien foutu hein, pour l'époque. Putain, non, 2009. Je sais bien que c'est pas le genre de vidéo qui va plaire à tout le monde et tout, mais... personnellement, j'avais envie, tu vois. J'ai toujours fait ce que j'aimais et ce que je voulais sur YouTube. Et parce que les autres voulaient voir à tout prix. Donc c'est peut-être le truc qui fait aussi que je suis encore là, sinon peut-être que j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais je sais pas, j'avais envie, tu vois. Lost and Damned, ça me titillait, ça fait quelques semaines maintenant que j'y pense, hein, à refaire
une petite vidéo dessus et je l'ai noté dans un petit coin de ma tête. Mais ça fait quand même plaisir. Il y a encore un autre coin à aller péter là parce que franchement je prends plaisir à faire ça, again. Les flics comme s'ils se doutent pas que c'est nous quoi. L'autre il y a 4 loupards sur une bécane, ils passent à côté de nous, non. Genre on est des anges quoi. Les ailes d'ange, on les a dans le dos mais c'est pas vraiment des ailes d'ange. Ah c'est mes potes. Putain j'ai encore voulu tuer mes potes quoi. C'est pas possible d'être assassin comme ça, il y a un mec là. Il y avait un mec là-haut. Oh! Mais tu m'écrases là! Ce qui est bien parce que c'est pas comme dans les autres GTA. Tu vois, le fait que tu mettes une balle à un PNJ, bah automatiquement c'est violent de se prendre une balle. Et ce jeu était extrêmement réaliste pour ça parce que d'un coup ils étaient comme paralysés un peu. Tu ressentais en fait que ça blessait réellement les ennemis, Egan. Tu vois, j'ai mis une balle aussitôt, Egan. Bon, là il fait un peu de chiquet là. Là, clairement, il a fait peut-être un peu de chiquet à passer par-dessus le truc. Mais ça qui était bien dans ce jeu. Tut tut, fils de. Non, j'ai pas le lien. Les gars, faites gaffe! Attention! Les gars, attention à vous! Attention, toi! Et voilà! Ça, il y avait des. Ouais, il y avait bien ce que je pensais là sur les. On pouvait retrouver des trucs bizarres. Ils étaient grands, les trucs là-haut. C'est pas un. Je vais dire une saloperie, mais je vais pas le dire. La vache! C'est un cratère qu'il faut avoir pour entrer. Waouh! Waouh! Bon bref, passons outre, on est pas là pour ça. Bon bref, ta cinématique, t'es bien beau Dutch, mais bon tu vois, Gan, même état de pensée, hein. C'est pour ça que ce jeu me donne envie d'y rejouer, il me fait tellement penser à ça. Est-ce qu'on n'arrête pas faire un petit tour au QG pour clôturer cette vidéo? Alors, tac tac, on arrive donc au camp, enfin au camp, on arrive, ouais c'est un peu le délire, hein. C'est vraiment le camp en fait. Hein. Hop. Et là on avait tout un tas d'activités qu'on pouvait faire avec les potes, on pouvait faire du billard, je crois que c'était ici ou à l'étage. Bref, on pouvait faire quand même plein de conneries, on pouvait boire un coup. C'était pas mal. Il était quand même bien sympathique ce petit jeu, tu vois. On pouvait aller jouer aux cartes, je sais plus où. Là, on pouvait sauvegarder la partie, chose que je vais faire après d'ailleurs. Peut-être même le faire maintenant, j'ai peur d'oublier. Il y avait tout un délire. Bras de fer, les gens pliés en bras de fer, après on arrête. The beast, c'est quel bouton, c'est celui-là ou c'est l'autre? Mais il m'a couché le frérot. Oh, attends, ma manette elle est cassée ou quoi là? Attends. Attends, on va le refaire avec. Là, avec la souris, c'est pas la même, là, avec la souris, Egan, avec la souris, c'est pas la même, là, Zombie, avec la souris, là, je vais faire tomber mon truc sur mon bureau, là. Allez, couche-le-moi, c'est ton foireux, le mec. J'ai réellement mal dans le bras, par contre, ma souris, là. Alors, hein. Maman, Jésus, j'ai peut-être un coup de poing, carrément. C'est bon, il m'a énervé. Là, clairement, il m'a donné un coup de sang, là. Mais avec la manette, c'est hyper chaud. Il y a encore une manche. Non. Attends. Attends, j'ai poussé mon clavier parce que là, je sens que j'ai fait une dinguerie tout à l'heure, mon gars, je suis tout niqué sur mon bureau. Frérot, c'est pas des lol. C'est bon. Là, j'ai jeté un assaut, carrément. Allez, c'est parti. 1, 2. Donc, pour commencer, on va faire A. Vas-y, frérot, c'est quand tu veux. Je vais te plier la gueule. J'ai jamais été fort à ça, zombie. Non, j'arriverai pas. Putain. Et en fait, là, j'ai un pull, j'ai un sous-pull. J'ai chaud là à faire le con rester avec ma souris là. C'est une galère ça, les jeux comme ça là. Bon, j'ai quand même gagné une fois. En plus, je t'ai fait un doigt d'honneur, tiens. Fuck. C'était Vince. Votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais foutre un peu d'ordre sur mon bureau parce que là, j'ai tout bousculé là. Mon tapis de souris, mon clap. C'est le bordel. C'était Vince. Prenez soin de vous et faites des bras de fer. C'est bon pour la santé, je sais pas du tout. Ciao tout le monde.